c'est journée internationale liberté la presse. Mais en attendant, mes principales points de domine actualité. Parmi 2024 là, c'est journée internationale liberté la presse. Nous avons gagné une attention spéciale dans l'édition nouvelle jeudi. Réaction a continué sur manifestation étudiants qui a déroulé dans l'université américaine contre la guerre Israël a menée dans le territoire Gaza. Et puis en Haïti, la quantité politique qui a participé dans la préparation à 3 avril là, mettait en question façon une majorité choisie Edgar Leblanc fils comme coordonnateur conseil présidentiel transition avec désignation Frise Belizère comme candidat pour poste premier ministre. Oui, on le fait encore un salut. Moi, c'est Jean-Baptiste Philippe, qui a salué nous et qui a remercié nous depuis la capitale fédérale américaine en Washington DC. Jeudi, c'est 3 mai 2024, c'est journée internationale liberté de la presse. Un coup d'œil spécial avec Jacques Belizère. Dans l'occasion journée mondiale la presse là, Reporters sans frontières, RSF, fait sortir journée 3 mai 2024 là, yon rapport côté le fait qu'on est menace gouvernement ak parlementaire yo trouvé yo parmi gros défis qui devant journalistes à travers le monde. Et dans le classement mondial là que li fait sortir chaque année, li examine facteurs politiques, juridiques et économiques qui affectent média yo ak situation sécurité journalistes yo dans 180 pays ak territoires. Yo chaque recevoir bon canet ou bien mauvais canet. Par exemple, liberté la presse détériorée par rapport à secteur politique là dans toute région yo dans le monde d'après Clayton Wieners qui c'est directeur en chef bureau RSF aux États-Unis. Li dit la voix de l'Amérique, acteur politique yo toujours prêt pour la venir sous média yo, dénigrer la presse, attaquer directement travail la presse yo et chercher utiliser appareil gouvernemental yo comme zam contre média qui critiquent yo. Wieners longe doit tout sous pays Argentine. Côté yo enregistré une plus gros baisse dans liberté la presse par rapport à année passée. Attendez ça. Argentine sorti en 40e place pour tomber en 66e. Gros baisse ça c'est à cause élection président Javier Milei qui lui-même clairement exprimé hostilité vis-à-vis la presse. Comme exemple, toujours d'après Wieners, président Milei coupé financement pour médias publics et lagué accusation sous dos la presse. Ambassade argentine dans Washington poko réagi sous email la voix de l'Amérique te voye bali côté te mandel yon réaction. Classement by Norvège bon canet qui fait le rete numéro 1 dans le monde dans affaire liberté la presse. Et dans top 5 là, top 5 là, 5 premiers yo, nous joignent tout Danemark, la Suède, la Hollande et la Finlande. Et dans quelques camionnettes là, nous joignent Iran, Corée du Nord, Afghanistan, la Syrie et Érythrée. États-Unis lui-même perdu 10 places pour tomber en 55e place après arrestation qui fait sous journaliste et descente délié la police te fait année passée dans un local, un journal dans Kansas. Emily Wilkins, qui est président National Press Club dans Washington, quoi, c'est un bagay qui fait mal en pile, qui baille tête fait mal. Le fait que autant de liberté la presse aux États-Unis menacée. Toujours d'après classement 2024 Reporters sans frontières là, la Russie prend 2 places pour le monter en 162e position. Mais Wieners dit bagay ça capable tromper moun et le pas fin clair. RSF affirmé la Russie recevoir mauvais canet dans affaire liberté la presse qui en fait dégringolé même si gen l'autre pays côté bagay là pire raide que dans pays la Russie. Facteur qui explique mauvais canet la Russie, c'est emprisonnement journaliste parmi eux deux Américains. Ivan Gerskovich, reporter au Wall Street Journal, dans prison depuis 2023 en bas accusation espionnage, ça que ni journal là, ni gouvernement américain démenti. Et département d'État dit, emprisonnement journaliste 32 ans ça, pas gain base. Gain tout Alsou Kurtz-Matcheva, rédactrice en chef, chaîne télévision, sœur La Voix de l'Amérique, Radio Free Europe and Radio Liberty, qui est en prison depuis octobre 2023 pour tête l'été blié, inscrit non comme soi-disant agent étranger et que l'État diffusé ça Moscou considéré comme fake news, mauvaise information sur la Russie, principalement sous l'armée. Groupe Défense Liberté critiqué département d'État américain pour être pas dit la Russie emprisonnée comme Matcheva injustement. Ça qui était capable d'après yo aider dans libération. Yon porte-parole département d'État américain dit la voix de l'Amérique, gouvernement travaille sérieusement sous cassa avec un pilote encore. Classement ça
li pa bay mauvais nouvelle seulement, mauvais canet seulement. Gen kote sa pi mye. Par exemple, amélioration dans pays Ukraine qui prend 18 places pour le monter en 161e place et puis Haïti qui était en 99e prend 6 places pour le monter en 93e position avec un score de 55.92 devant Sénégal et derrière Guinée-Bissau. Jacqueline Bélisère, VOA Créole. Et si nous t'es Jacques, toujours le temps dit plus toujours sur Liberté de la presse, ou façon que Liberté de la presse a célébré jeudi. Dans certains pays, bah, la capable bon, mais dans d'autres pays, bah, la capable bon. Nous parlons dans le pays d'Haïti, côté nous parlons regarder avec souterrain même, journaliste qui travaille souterrain même, qui j'en la vie, oui. Matadoui. En Haïti, journaliste, surtout nous-mêmes, qui reportait d'Imajo, situation grave pour nous en Haïti. Et c'est avec un peu de difficulté, nous vivons le travail à théâtre. C'est en bas en pile critique et agression, journaliste reporter yo a travaillé dans Port-au-Prince. Travailler la pression fait qu'on est chaque jour bon Dieu mette y a recevoir menace sous la vie. Lorsque nous rentrer dans le quartier défavorisé yo, dans quartier côté groupe armé yo hier, n'a fait interview ensemble avec yo, eh bien autorité nationale yo critiquer nous. Police tout qui sont force légale qui t'a supposé là pour protéger nous même en tant que journaliste. Et ils prennent nos coups cibles, bandits. Et bandits en lui-même tout, souvent, dès qu'on voit des journalistes qui arrivent dans l'espace, ils prennent nos coups cibles et la police se dit à travers la police. Il y a des journalistes qui sont victimes là, parmi lesquels moi-même, plusieurs journalistes accompagnés dans l'inspection générale. Nous arrivons même au niveau parquet. Et il y a plusieurs journalistes qui sont victimes, qui ont GPT, qui ont l'autre problème là toujours, qui ont un bal réel, ils prennent. Qui mourit. Petit 5 journalistes qui sortent victimes dans le dernier mouvement qui était déclenché contre le gouvernement Ariel Henry. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia de Villemé pour VOA Créole. Toujours sur la même nouvelle là, nous avons journée ou bien notre cas dit 31e édition. Journée internationale Liberté de la presse, là, c'est 31e édition. Et nous avons c'est l'ONU qui a pris la décision, ça, c'était en 1993 que ça a été fait. Donc, nous pouvons aller dans New York, côté un journal haïtien qui est dans New York, qui est un travail pour informer la diaspora sur ce qui a passé exactement en Haïti. Sandra Lemaire a présenté nous l'histoire du journal, ça, qui est le Haitian Time, dans la ville de New York. So for us, when donc pour nous, le aura les oreilles, nous avons rappelé tout le monde que ce travail nous a fait, c'est constat l'idouillé. Diriger un gros réseau nouvelle diaspora dans un moment critique, pas facile. Mais rédactrice journal Haitian Times, la haïtienne américaine Vania André, gagne détermination avec un objectif précis. Our job is to report what's fair and what's honest. Travail nous, c'est rapporter ça là, avec ça nous devons découvrir. Mission ça a vine plus important dans moment Haïti a fait face à une crise sociopolitique qui vine plus grave à cause de la violence gangio et puis assassinat président Jovenel Moïse en 2021. Dans mitan Kawoa, journaliste a fait face à menaces, attaques, kidnapping, gagnant qui choisit pour courir. Pour André, faire face à besoin communauté a veut dire un paquet de réunions, sessions stratégiques et puis engager à communauté a. Engagement, courir confiance. Joseph Laurien Cospo rete ti Haïti. C'est sa cause. L'expliquer c'est sa cause nous partager moment important que le journal a publié, ça encourager pour nous rester informés, apprendre, comprendre et puis tout ça mettait nous en valeur. Pendant plus migrants à débarquer à New York, un objectif Haitian Times, c'est arriver sur plus monde. C'est peut-être ça après un bulletin immigration pour bailler bon gens information pour qu'une communauté haïtienne informée. Bulletin en vise corriger des informations et puis répondre aux questions sur politique immigration. Really wanted to be able to think of a way. Il dit vraiment vrai, nous devons jouer un moyen pour consolider toute information ça, un seul côté que n'importe qui monde qui a bien accès à lui, qui est dans clinique ou docteur ou bien dans centre communautaire. J'efforce à faire partie d'un plan pillage pour arriver sur autant de diaspora possible. Pour André, diriger journal là très personnel. Il dit l'homme garde sa capacité au niveau national, moi ouais, histoire femme à qui soit parent moi, et puis moi qui a géré qualité reportage à faire pour décennies à venir. You know, decades, two decades to come. Atteindre une audience globale et puis aider de nouveaux migrants, c'est façon André à Haitian Times capable de disposer un espace côté monde quand on des voix haïtiens.
Voilà, c'est Tristan Romer qui t'a fait un coup d'œil sur Haitian Time dans New York qui vient de même dit qu'il y a des publics informés sur ce qui a passé non seulement dans la caille, mais tout dans la communauté côté à vivre là tout qui normalement c'est la première base que tu reconnais ce qui a passé dans l'environnement. Puis nous avons prêté dans New York toujours pour nous parler avec Valé Saint-Louis qui parlait de découvrir un autre journaliste, c'est Dieu Nalio Chéri qui lui-même tout, son journaliste photographe, en essayant de découvrir avec nous journaliste là. Valé Saint-Louis. Dieu Nalio Chéri, c'est un journaliste photographe qui est reconnu à travers le monde pour travailler comme photographe qui a bail information. Actuellement, là, je suis un freelance photojournaliste pour Reuters, New York Times, Washington Post, Haitian Times et puis AFP, Agence France-Presse. Il servit à caméra photo pour bail information dans des moments et situations qui sont parfois très difficiles. Et c'est comme ça que travaille comme journaliste photographe, tu es reconnu mondialement. Il était arrivé décocher médaille d'or prix Robert Capa en année 2019 là pour plus bon reportage photographique qui était publié à l'étranger. Médaille d'or prix Robert Capa, c'est une distinction qui très prestigieuse que il était arrivé gagner pour courage exceptionnel que il était démontré dans travail journaliste là, l'elle t'a fait reportage photo sous crise politique là avec Abi Douamoun en Haïti. Robert Capa c'est un gros photographe de guerre. OK, l'aime prend prix ça, gè gros photographe dans monde l'entrée le mieux dit oh, on fait gros bagay, oui, l'autre photographe, pourquoi j'aime faire. Il était sorti tout comme finaliste dans le concours Pulitzer Prize, prix Pulitzer là comme journaliste photographe dans la catégorie Nouvelle Actualité pour année 2020. Métier journaliste là en général, et surtout dans le pays d'Haïti, il y a un pile risque la donne. Il y a deux incidents passés en Haïti qui vraiment menacé la vie. Tué, même toujours dit bon Dieu merci parce que m'la toujours. C'était dans l'année 2019, dans le moment situation pays a été chaud. D'ailleurs, Parlement, pendant séance ratification déclaration politique générale Fritz William Michel qui t'a déroulé, sénateur noir Ralph Etier tira les amis et puis tiré pour défendre tête en mitan une discussion avec quelques militants politiques. Journaliste photographe Dieu Nalio Chéri t'est arrivé blessé pendant que t'as fait travail. Son larme moi quand touche la cap vini, son action de fait. Entre yon a deux secondes, et puis me dit, me prend balle. Et puis me continue à faire photo parce que me sens mon comme ça, me remet métier ça en pile. En bas pression gang yo, li te oblige quitter pays a, prend exil à toute famille. On zan mi relem, on journaliste, li relem li dit que, mais chef gang si, Belekoua a demandé pour, me dit, pour qui ça? Pour qui est-ce que vous avez demandé? Qui non mon libaï? Il dit pour Dieu Nalio Chéri. Merci à l'ambassade américaine qui t'a vraiment aidé. Et puis Focal, institution, ça m'a toujours dit merci en pile. Focal t'a aidé en pile. Focal, c'est une organisation qui a aidé des journalistes en Haïti. Il a aidé en pile pour me quitter le pays. Dieu Nalio Chéri t'a dit VOA Creole, qui sa journée mondiale liberté de la presse? L'a dit pour lui. Elle n'a pas de liberté de la presse. Son bail pour tout le monde, t'a bail valeur dans tout pays. Parce que la presse sont bien communs liés. La presse c'est pour tout le monde. Parce que moi-même, on t'a fait métier ça en Haïti, on t'a représenté tant que témoin société là. OK? On t'est là tout côté, on t'avait ces photographier tout ça moi qui pas normal, qui doué, qui méritait attention. So on t'a fait travail ça. So on pas t'a fait travail ça pour famille, on t'a fait pour pays là. Ça veut dire que un journaliste il méritait protection dans mais tout le monde. Dieu Nalio Chéri quitté pays depuis année 2021 pour venir vivre ici aux États-Unis avec famille. Il pas jamais déposé outil caméra li. Il était un journaliste photographe indépendant qui kounia basé dans Michigan côté que l'a travaille sur plusieurs projets pour l'avenir. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Cependant, ce n'est pas seul exemple ça qui vient, non, côté journaliste qui a subi persécution. Dans Nicaragua, par exemple, le gouvernement maté journaliste, surtout journaliste qui travaille dans la presse, Serge François Michel. Fleuve San Juan, 200 km de l'eau, séparé journaliste Sayo avec pays la Cayo, avec moun kapli a tikyo na Nicaragua. Journaliste Sayo qui était obligé pour exil, mais qui était continué à faire reportage étant la Cayo voisin Costa Rica, te vle marquer 98e anniversaire journal yo la Prensa, la presse. Con ça, et yo te retourné pour un petit bout de temps, bord de l'eau Nicaragua. Et el día en que sali. The clandestine approach was necessary. Hans Lorenz Ramirez, c'est un journaliste de la presse. Il dit, il songeait un moment sous bateau. Il était en gros silence dans l'équipe là. C'est le seul bruit moteur que tu attendais. Il était nécessaire pour te approcher près pays en Bachal.
Presque tout est staff, la Prensa, reporter, rédacteur en chef et même chauffeur. T'es obligé de courir pour persécution au gouvernement. Pouyo, produit en édition et spéciale étant sous territoire Nicaragua, ça voyait un message by gouvernement. Nayel Martinez, c'est un éditeur pour la Prensa. Lydie, action Lio, c'était une façon pour dire gouvernement, mais nous ici, là, côté nous battre deux jambes quitter à Nicaragua. Mais yon retour permanent, ça pas un choix pour l'équipe La Prensa. En 2001, le gouvernement président Daniel Ortega a saisi cette nouvelle-là dans le cadre de sa autorité a dit que c'était une enquête sur fraude la douane. Juan Holman, c'est directeur journal La Prensa. A contingent of police and riot police arrived at La Prensa. Li fait connaître la police est arrivée dans La Prensa et après ça, tu prends contrôle du building là, tout employé au la donne. Après ça, tu es arrêté directeur Juan Lorenzo Holman. Lorenzo dit qu'il était passé 545 jours en prison à El Chipote. Il était jugé, condamné à la sentence 9 l'année de prison. Il a une amende 3 millions de dollars pour lavage de l'argent. Et c'est clair que l'accusation n'a pas de camper sur rien. Holman a joué une liberté en 2023. Mais d'abord, l'autorité a été mise dehors dans le pays et où était citoyen tel. Journaliste a gagné confiance qu'un jour, il a tourné la caillou avec une salle nouvelle et que la Prensa a continué à vivre pour célébrer le 100e anniversaire. D'après journaliste La Voix de l'Amérique, Donaldo Hernandez, dans San José, Costa Rica. Serge François Michel, VOA Creole. Rendez-vous ça, c'est après-midi, à tout de suite après le journal ça, à 5h tapant, nous mettons sous journal dans page non sur Facebook, que nous pouvons jouer et interview ça, intégralité tout et au parler spécial ça, nous faisons dans l'occasion journée internationale, liberté de la presse. Nous avons quitté ce sujet ça, nous parler dans le pays d'Haïti, côté déblosaï, acteurs politiques qui ont participé dans la rédaction, bien encore dans l'accord 3 avril là, et bien sous choix, de façon que choisi coordonnateur conseil présidentiel transition avec candidat pour poste premier ministre et Yves Manuel. Depuis nomination Edgar Leblanc fils comme coordonnateur conseil présidentiel transition à désignation ingénieur Fritz Belizer comme premier ministre Mamio a couteau tiré hier jeudi 2 mai malgré tentative CARICOM pour résoudre situation pas grand-quelle solution qui trouvait groupe minoritaire qui très critique envers désignation premier ministre là yo même yo pas participer dans rencontre ça. Yo reproché bloc majoritaire qui voulait à tout prix prendre contrôle l'État, ça qui en contradiction avec accord 3 avril 2024 là. Avant rencontre là avec CARICOM, conseillers ont été réunis entre eux. Dans mitan discussion, accord 3 avril 2024 là, à inondation qui frappait notamment département Nord. Pendant rencontre là, bloc minoritaire dans conseil présidentiel là envisagé pour ta gagner une révision sous façon yo a pris une décision yo côté majorité 4 sur 7 là ta doit passer à une majorité 5. Initiative ça visait garantir décision important k'ap gen pour prendre dans mitan conseil présidentiel là ta cour nomination premier ministre ak formation gouvernement. Selon diverses sources nous capable faire confiance, gen certains conseillers présidentiels qui exigeaient retrait choix premier ministre actuel Fritz Belizer et puis tout pour ta rewè répartition poste dans mitan conseil là. Même conseil présidentiel transition doit réunir journée vendredi 3 mai 2024 là pour tenter trouver une entente par rapport à crise. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Actualité sur le plan international, manifestation continue contre opération militaire Israël menée dans le territoire Gaza. Fred Kaimit. Des centaines de supporters israéliens à Gaza entrent dans la confrontation de l'Université Sydney dans le pays Australie jeudi vendredi 3 mai 2024 là. Tant que c'est éco-manifestation à l'Université des États-Unis avec bouleverse Moyen-Orient qui arrivait sur un campus qui sous un continent par l'autre bon monde là. Manifestants rivaux, l'un a bâgé l'autre pour chanter slogan à Souki drapeau. Mais quand même, à part de quelques discussions chauffées, manifestation entre tous les décans ont fini pacifiquement. Mais c'était un autre signe qui la guerre Gaza qui a couru sous 7e mois li ak la guerre qui tire les États-Unis qui pas suspend
à traverser plusieurs océans pour aller chauffer courant politique. Des dizaines de tentes qui campaient et qui gagnaient avec drapeau palestinien tournaient depuis 10 jours, point central, pour des centaines de manifestants. Parmi eux, étudiants qui comptent évasion à terre avec bombardement qu'Israël a fait dans Gaza. Merci et Fred Kaimi, n'a prêté sous même sujet ça, et bien groupe militant Amasio déclaré y a voué une délégation en Égypte pour discuter sous proposition Israël fait pour gagner un cessez-le-feu avec libération otage Gentil Augustin Junior. Hamas fait connait li a considéré avec un esprit positif yon entente pour la guerre Gaza suspend après l'ONU saute averti que rétablir territoire palestinien qui dévasté ya ta mandé effort que monde l'an pas jamais wè depuis deuxième guerre mondiale. Après plusieurs mois négociation tombé levé, Hamas bay yon ton positif pour dernier proposition qui dit libérer otage pour bataille yo campé. Ça qui soulevé espoir que dès quand yo ka joine yon entente avant longtemps. Même les travailleurs médicaux yon Gaza qui en bas attaque rapporté nouveau frappe sous parti qui nan dernier bout site Gaza jeudi vendredi ya. Matthew Miller di groupe Hamas la gen yon bon proposition kounye ya. Gen yon proposition sous table qui satisfait en pile nan demande que Hamas te fait nan série négociation avan yo. Israël te fait yon offre important. Ak dernier proposition ça qui te fait compromettre en pile position depuis longtemps que yo te prend. Et jan mwen te di, en réponse ak en pile demande Hamas te di que yo te obligé accepter yon contrat. Donc nou kwè kounye ya, c'est yo qui pou accepter accord que yo te mandé ya et yo ta dwe akseptil et pou yo avanse. Chef Hamas Ismaël Haniyeh di groupe la ap voye yon délégation en Égypte pour finir discussion qui déjà a fait pour la guerre à suspend et pour rive jwenn yon entente qui réaliser réclamation moun nou yo. Haniyeh di médiateur yo ki sorti nan Égypte ak Qatar lèl te parlé nan téléphone ak yo ayè jeudi ya que Hamas a petit dernier proposition Israël la ak yon esprit positif. Gentil Augustin Junior, Washington, VOA Creole. Et puis pis passé 10 moun mouri nan inondation ki frape yon pati au Brésil. Maurice Pierre. Au Brésil, 13 moun mouri et 21 lot moun disparaît après gros la pluie, inondation à glissement terrain dans sud Brésil depuis lundi, d'après Défense Civile PIA. Gouverneur Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, te dit jeudi, yo espéré quantité moun ki mouri yo a augmenté na état à cause difficulté pour joindre accès dans zone côté te gen glissement terrain. Gouverneur Leite dit malheureusement, nous déjà regrettons tout le monde qui peut enregistrer yo et pour gagner en pile, surtout à cause glissement terrain, à monde qui était resté côté qui pas de gain accès pendant 48 heures. Nous t'ai déjà relé secouristes et puis n'a travail dit pour nous arriver dans chaque côté. Président brésilien Luiz Inácio da Silva, alias Lula, ensemble avec membres cabinet yo, parmi yo ministre environnement Marina Silva, t'ai visité village jeudi pour t'ai rencontré avec gouverneur. Président brésilien dit la nature a manifesté tête li et puis nous besoin prendre ça en considération parce que la nature belle nous connaît que dommage la gros en pile. Mauvais temps à travers Amérique du Sud là, c'est à cause phénomène climat El Niño. C'est un événement saisonnier qui chauffait de l'eau dans la région Pacifique équatoriale là. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Nous parler dans pays d'Haïti, une délégation de l'église protestante et bien mes amis, ils ont visité construction canal rivière Massacre dans Wanamet, Jodley Junior Civil depuis Fort Liberté. Une délégation Conseil national Fédération protestante d'Haïti qui gagne en tête li pasteur Floridor Calixte, président conseil là, visité hier jeudi 2 mai 2024 là canal irrigation rivière Massacre dans Wanamet. Objectif visite ça, d'après ça yo di, c'est pour te vin ouè non seulement canal là, mais tout continuer pour te support yo pour travail là qui presque arrivé dans bout li. En même temps, pasteur Floridor Calixte invité protestant yo pour yo faire une révolution économique dans pays ya. Eh bien jodi a moi te jugé nécessaire pour me te faire ça, pour me te capable vin continuer encourager bel travail qui a fait ça qui c'est canal ça, donc qui pral servi pour arroser terre nou yo pour capable bay produit en pile manger dans pays d'Haïti.
Donc nous-mêmes dans la Fédération protestante d'Haïti, nous continuons à encourager tout le peuple haïtien. L'autre côté qui a fait canal, continuez à faire canal parce que jodi a peuple a besoin de manger pour le manger. Si l'autre monde a fait révolution en politique, nous-mêmes protestants, on fait révolution économique là à travers le développement agriculture dans le pays d'Haïti. Pasteur Florido Calixte, rapoussi pour le dire, secteur protestant, pas campé dans l'accompagnement à bail paysan dans plein de Bamari Baoua. Comme ça, il a porté 1 million de gouttes pour le canal là. Et il a tout profité à annoncer, il a pris le mettre campé et une banque agricole. Non seulement nous-mêmes, mission nous déjà fait déjà, Ligue déjà fait, coordination déjà fait, mais moi-même comme président, dans nos conseils nationaux, Fédération pour d'Haïti, nous portons une offre spéciale, nous portons 1 million de gouttes que nous avons pris le bail là dans quelques minutes en coordination et cap gérer le canal là pour nous encourager davantage. Donc nous portons 1 million de gouttes encore pour nous ajouter sur tout ça que tu déjà pour continuer avec le travail canal là. Fédération protestante d'Haïti, nous voulons aller plus loin. Après canal ça, nous pensons que pour nous capables d'encourager les partenaires, pour nous capables de mettre une coopérative d'agricole, pour ne pas dire banque d'agricole. Jodle Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Créole. Oui, pas oublier, rendez-vous à nous, mes amis, c'est 5 tapins sur page Facebook, nous, côté nous pour suivre le reportage spécial ça que. Puis fort, membre équipe service que la met ensemble pour présenter nous avec des journalistes spéciales tout qui au même tout, c'est des victimes ou bien monde qui vivent situation la presse là que soit dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger mais qui a une participation par tout. Donc pas rater rendez-vous ça. Nous parlons dans Miami côté nous parlons jeune Gideon C qui parle parler nous un petit peu de nouvelles sur vedette musique. Carlo Vieux. Le musicien fondateur groupe musical Karimi était de passage dans l'État Floride semaine qui s'est passée là, dans micro VOA Créole, Carlo Vieux annonçait que la retiré colis dans business musique haïtienne. Et me faire recul là, me dit que me quitter musique parce que et bon, I'm the family guy, on est monde qu'on a tout sur bagage ça, but it's honestly that's what it is. Me pensais que moi t'ai fait tant moins et kounya là c'est là pour me bailler tant moins petit moi. Ça veut dire que pour me bailler et tout temps moins as much as possible so that they can be successful in their life. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Marie Rosilmé alias Gigi t'est rencontré avec la presse dimanche qui s'est passé là dans Oakland Park État Floride pour t'ai annoncer que désormais li pa artiste solo encore, li gen propre jazz day qui pote nom Gigi Band, li gen nouveau manager qui pote nom Alba Guidi et li gen deux nouveaux vidéos sous marché musical là. Deux vidéos qui me sont aujourd'hui, hein, yon ti ka ireme, yon ti yoz, et m'ka di que nous apwè différencieux, yon parle plein de l'amour, et l'autre là a parlé gens que m'ta reme pour moun sa, c'est moun mwen chaque jour, et deux concepts différents, yon ki vraiment fancy and fashionable, et yon l'autre qui voye nous droit à Haïti la caille. Pour toute nouvelle sur business musique haïtienne en État Floride, non pas, c'est Jude Ronsré pour VOA Créole, Miami. Merci Jude Ronsré. Eh bien, mes amis, je dis à c'était une journée spéciale, c'est une journée liberté de la presse. Donc, on m'a dit tout journaliste, tout confrère, bonne fête, quel que soit côté, quel que soit dans condition que bah, la caille pour difficile, mais quand même, Kembela, Palagi, point courage. N'a pensé ensemble, c'était jour pas nous. Nous parlons toujours et n'a dit que je dis à rappeler que c'est vendredi. Weekend a déjà commencé. Donc, on connaît. Soit marcher, garder en haut, garder en bas, pas traverser la raison, pas faire ça. Et puis tout, sous pral conduit tout, connaît que sous consommer alcool ou pas qu'à monter derrière un volant machine. Et sous monter derrière un volant machine ou pas qu'à consommer alcool. Passez un bon après-midi, un bon week-end. Moi, c'est Jean-Baptiste Philippe Capsalino et dans toute équipe, c'est ce que là. Merci en pile. N'a pas lundi prochain.